Salut à tous, c'est Didi59, j'espère que vous êtes tous très bien les potos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la carrière du Racing Club de Lens, donc pour l'épisode 4. Donc je viens juste de sortir l'épisode 4 avec Paris tout simplement, je crois bien si je dis pas de bêtises. Donc on s'est relancé un peu, du coup d'habitude ces carrières-là je les fais en live, mais bon comme là je c'est ensuite je fais pas de la live tout simplement, je me suis dit allez, pour pas laisser la chaîne au point mort, on va lancer les vidéos des carrières, on va lancer un peu. On va reprendre Foot Champion, les lives, tout ça. Mais franchement, j'avais pris un bon bol d'air, j'avais bien respiré un peu parce que Foot m'avait carrément pris la tête. Mais là, on est en mode carrière, donc on est cool. Donc on va voir le classement du Racing Club de Lens en Ligue 2. Nous sommes premiers, ça reflète vraiment le bon début de saison de Lens. En vrai, MDR, non, je déconne. Lens, en vrai, ils sont quoi? Ils sont 16e, je crois. Putain, quel carnage qu'ils sont en train de faire. Mais belle victoire face à Reims là en Coupe de France. Le match s'est terminé il y a quoi, quelques heures. Je suis assez content du résultat. Même si on aurait pu mieux gérer le match, on va dire, face à Reims. Donc maintenant, on passe au virtuel du moins. On passe au gameplay. On va voir qu'est-ce qu'on a à faire dans cet épisode 4, tout simplement. Donc calendrier, nous avons un match contre le Stade Brestois, après nous aurons un match contre US Orléans et nous finirons sur un match face à Lorient. Pour ça, on finira face à un gros match face à Lorient. On finira même les transferts. Donc c'est cool. Donc on se retrouve dès qu'il y a des actions de but ou des buts. Sur ce, à tout de suite. Allez les Moss. Première action. Ouh! Ouh, le but à 0! But de Mazou! Oh là 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 là, je suis content de marquer d'entrée de jeu! Yes! T'as dommage qu'il la prend pas de la tête, Markovic, je crois, au début. On va juste revoir l'action du but. Donc, là, bon débordement, le Moss, il fait un beau centre. Et là, on loupe la tête. Et là, ben, Mazou, il reprise de volée. Le gardien, il se trouve carrément. Ouais, bah, c'est trop oui et non, quoi. Ça passe en dessous de son bras. Il a touché un peu le gardien, mais ça fait 1-0 pour Lens. Yes! Oh là, mon entraîneur, putain, je me suis fait un vu en fait. Ah ouais, c'est pas grave. Ouais, super. Madrid avec Clément Chanton. Chanton avec Mazou qui va frapper. Et le doublé de Mazou! Superbe action collective des 100 et or. Super Chanton. La passe en profondeur, elle est superbe. Et Mazou qui met le doublé, ça fait plaisir. Et on enfonce le Stade Brestois qui n'ont pas encore gagné un match. Au bout de 4 journées, tout à l'heure, ils vont faire comme Lens en vrai. Ils vont faire 7 matchs sans gagner. Mais Mazou, superbe but. Le gardien, il a fraise là-dessus. Il met 3 heures à plonger. Et ça nous permet de mener d'entrée de jeu 2-0. Oh la frappe, bien joué. Bien joué, chez Vasson Belon au goal. J'ai pas fait gaffe. On va voir le corner si il va être dangereux ou pas sur le corner. Et le gardien qui la repousse. Oh lolo, parade de Vachou. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2-0 pour nous. On a mené assez rapidement le score de 2 buts, 2-0, le break est fait, mais bon, on est en train de s'endormir dans ce match. Brest, ils sont en train de reprendre la confiance et on va voir la position de balle, tout ça, mais je pense qu'ils sont en faveur d'eux. Ouais, fallait s'en douter, franchement, on a 3 tirs cadrés. Ils ont eu 4 tirs pour un cadré. Ils commencent à être dangereux, donc il faudra éviter de se prendre le but, si on se prend un but, éviter de se le prendre trop tôt. Sinon, ben, essayer de mettre le troisième but pour vraiment assurer la victoire, quoi. Ouh. Bon, c'est pas fini. Ouais, corner. On va suivre le corner. Le corner va-t-il être dangereux? Ouh, bien joué Vachou. Première période, on n'équipe pas le match en main désormais. Oh, ma joue avec Madri. Oh, la parade. Signé à Manchester United en provenance d'Everton.
quand je vois la somme. Oh, ça, c'est des tirs que je kiffe des adversaires. Waouh! 50 mètres à côté. Allez, la frappe du défenseur. Fou, dommage. Je vais pas m'amuser à le prononcer son nom. Allez, Markovic. Avec Clément Chanton qui va frapper. Oh, le poteau! C'est pas fini. Oh, si. Oh là là, superbe action. Tête pour le triplé pour Mazou. Et le triplé pour Mazou. Superbe but, superbe action collective. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. On va revoir cette action de classe mondiale, on peut dire ça carrément. Franchement, regardez-moi ça. Boum, Markovic Mazou, franchement, énorme. Finition du pied gauche. Hop, 3-0 pour nous. Impeccable, franchement, belle action. Ouais, Markovic la frappe. Oh, dommage, ça passe pas loin. Voilà, c'est la fin de ce match, de ce premier match de l'épisode 4. Magnifique triplé de Mazou, franchement, monstrueux. Rien à dire dans ce match, belle victoire. Belle victoire tout simplement. Allez, on se retrouve au prochain match qui est US Orléans. Et Bostock. John Bostock. Avec Lopez. Landryk. L'ouverture de score de Landryk. Yes. Belle action encore. Belle action contre Saint-Yor. Yes. 1-0. On va revoir cette action. Magnifique. Ah, ça fait plaisir de marquer des buts comme ça. Des actions pareilles, franchement, c'est très très beau à voir. On va revoir cette action. Ah, les supporters dans le 60 là. Bostock, talonnade. Hop. Zoubir passe en profondeur sur Landryk. Landryk frappe instantané. Et ça fait 1-0 pour nous. Le défenseur, il a rien pu faire. Même le gardien. Magnifique. Oh, le poteau, on a eu chaud. On a eu chaud sur cette action. On va la revoir. Oh putain, il s'est retourné. Je sais pas comment il a fait, mais belle frappe. Et le poteau nous sauve dans ce match-là. On divine. Oh lolo, lolo, on a eu chaud encore. On a eu chaud sur cette action. Gigay, je sais pas comment ça se prononce. Waouh, 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 on a eu chaud, ça frôle encore le poteau. Ah non, c'est Sissoko qui fait le centre, je pense. Mais on a eu chaud en tout cas. On va peut-être assister à une contre. Ah, elle passe en profondeur, attention. Attention. Oh, on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Douchas qui sort pourtant, mais c'est mérité pour US Orléans, franchement. Cette égalisation est méritée. La passe en profondeur, on se fait avoir aussi. Duverne, il n'est pas attentif. Et là, il nous prend sur cette accélération-là, vous voyez. Belle frappe, en tout cas. Un partout. Ils ont du répondant, ils ont du répondant. Ça va être intéressant pour la deuxième mi-temps. Un partout. Ils ont du répondant, US Orléans, dans ce match. Ils jouent à domicile, hein, d'ailleurs. Ils ont leur soutien de leur public. Bon, pourquoi pas, allez, on va lancer la deuxième. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. Oh, super ça. Allez, Landryk. Landryk. Et pour le doublé, Landryk sur une erreur monumentale de la défense de US Orléans. Yes, ça nous permet de marquer un doublé et de reprendre l'avantage dans ce match. Faudra vite marquer le troisième pour bien se mettre à l'abri. Mais superbe, superbe la récupération. Regardez-moi ça, boum, direct Lopez, il le fait partir Landryk. Et Landryk du pied droit crucifie le gardien et ça nous permet de mener 2-1. Yes. Oh, Zoubir, Zoubir qui loupe sa frappe. Super Landryk avec Bellegarde. Bellegarde qui temporise un peu.
sur 2 plus, 2 plus qui va attendre, il va se centrer. Oh, elle est belle celle-là. Oh oui, le 3. Yes, Lopez, Christian Lopez, je crois bien. Oui, qui va mettre sa tête. Oh là là, magnifique. Superbe le centre, la tête magnifique. Et ça fait 3. Oh, Lopez. Lopez sur Landric. Landric, le centre. La tête de Lopez. Et le doublé de Christian Lopez. Oh là, qu'est-ce qu'il est fort de la tête, Lopez. Et ça nous fait le 4-1. 4-1. Et en plus, on débloque un trophée. Bien servi. Ok. Bon, bah, tant mieux. Oh ben frappe, belle parade de Duchesne, c'est pas fini. Oh, il tire à côté, comment il fait? Et voilà, belle victoire des 100 et or, superbe attaque, doublé de Landry qui est doublé de Lopez, ça fait plaisir cette belle victoire, 4-1. Mais bon, Orléans ils ont pas démérité quand même, ils auraient pu mieux faire dans ce match. Mais on a réussi à faire notre boulot, gagner ce match hein, tout simplement. Et on va se retrouver pour le dernier match. Et on va regarder parce que j'ai peut-être perdu un joueur. Hâte de négocier. Joueur blessé. 5 jours. Ouais, c'est pas trop grave. On a pris un défenseur gauche parce que j'ai un défenseur gauche qui est parti. Qui va bientôt partir. C'est Tassouali, je crois. Du coup, on a pris accueil de joueurs. Je sais pas si c'est là. Ouais, si c'est bon. Hop, négocier. On va négocier en direct. Allez, on va passer un peu tout ça. Alors, nous avons beaucoup de sujets. Okay, commençons par discuter le rôle au sein du club. Alors, le rôle pour. Il va être important. Parfait, voilà, c'est qu'est-ce qu'il voulait. Un contrôle 4 ans. Bah, on va contre-proposer. On va mettre 5 ans, soyons fous. Voilà, nickel. Clause de libération. On va ignorer, on n'a pas besoin. €16 000 par semaine. Waouh. Contre-proposition, retirer la prime direct. Modifier le salaire. €15 000. Et la prime. €150 000. €17 500 contre-proposition. Allez, on va y proposer 300 000 et 15 000. Merde, je peux pas modifier. Ah, si. €16 500. Allez, on va accepter €16 500. C'est pas évident les transferts, hein. Putain, c'est des raclures. C'est des raclures. On va suivre en direct la fin des transferts. Tassouali il est parti, du coup, on va prendre. Le jeune défenseur gauche qu'on vient d'acheter. Voilà, c'est Seignon 67. On va y mettre. Difficile. Ouais, on pourra tout simuler. Il a 19 ans. Franchement, 19 ou plus jeune encore. Je sais plus exactement quel âge il a. On va aller voir ses stats d'ailleurs, déjà une. Alors du plus, c'est Seignon. Et on va regarder ses stats assez Seignon en défenseur gauche. Donc en accélération 80, en vitesse 84, superbe, superbe, ça c'est pas mal.
En force 64, 73, c'est-à-dire 74. Détente 70 pour un défenseur, c'est pas ouf. Précision de la tête 54, ouais. Marquage 58, mais bon, tout ça, ça a amélioré de toute façon. Donc il a 1m78, bon, c'est un défenseur gauche, donc ça va encore. Il peut jouer AG en plus, ok. Pied gauche, normal. Geste technique 3, mauvais pied 3. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Du coup, on va suivre la fin des transferts parce qu'on va avoir des surprises en cette fin de transfert. On verra bien. Alors, c'est Tosso est vendu 700 000. Ok, ça c'est fait. Hop, la fin des transferts en direct. Lemar, Thomas Lemar, il est parti au l'AC Milan pour 62 700 000. Waouh. Pas mal, pas mal. Allez. Peut-être une offre. Diaman Koukou, 510 000. Diaman Koukou, 2600, il se fait la 65 de note de général. Je sais plus quel âge il a, Diaman Koukou. Merde. On va négocier Koukou. 510 000. C'est ouf quand même. Il a 26 ans, Koukou. Si tu me donnes un million, j'accepte. Mais si tu donnes pas un million, il va te faire foutre. Soumettre l'offre. Eh ben, il veut pas. Eh ben voilà, c'est fait. Un million, moi, je brade pas les joueurs, moi, j'en ai rien à foutre. Et on avance. Walcott, il est parti pour l'AC Milan. Pour 18 millions, putain, l'AC Milan, il recrute là. Il recrute. Allez, il reste 6 heures. Aboubakar, il part à Swansea. Il quitte le FC Porto pour aller à Swansea. Lamela, il quitte Tottenham pour le FC Bayern. Ok. Donc, il nous reste 4 heures. Toujours pas de départ pour l'instant. Ça, c'est bon pour nous. La seule équipe, elle va rester telle qu'elle l'est, je pense. On s'en fout un peu du truc. Kalou, il est parti aussi. Ah, c'est bon, normalement, il n'y a aucun. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de départ, il n'y a pas de nouvelle arrivée. Tant mieux, l'équipe elle est opérationnelle, franchement, il n'y a pas besoin de tout remodifier. On s'en fout un peu. Ok. S'en fout aussi. Allez, allez, allez. On va peut-être pouvoir faire un petit entraînement. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti pour le dernier match. Allez, le dernier match, j'espère qu'on va bien le négocier face à Lorient. Je suis soulagé, coach. Ah, pourquoi qu'il dit ça? Il était chiant, moi, Lopez. Alors. Ok, le mec, il a marqué un doublé, à mon avis, c'était pour ça qu'il... Allez, Madrid, on compte sur vous, les gars. Contre Lorient, donc on se retrouve dès qu'il y a l'égalisation de but ou les buts. Allez, c'est parti pour ce match face à Lorient. Allez, allez Mazou qui a marqué un triplé lors du dernier match. On y croit. Super le tacle. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Allez, Markovic. La frappe de Markovic. Oh, le poteau. Putain, sa mère. Le poteau de Markovic. Putain, frère, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, je l'ai envoyé en pleine lunette, salope. Putain, Lorient, ils sont sauvés grâce à leur montant là.
Oh, Il Lemos. bascule sur l'aile, histoire de tirer un Allez, petit peu les centre risques sur Mazou. défensifs. Il prend Oh, la balle, Mazou, qu'est-ce qu'il il fait? a failli assister à l'ouverture Oh du là là score. là là, Il tordait les Mazou. bras, mais bon, il faut aller un 50 petit peu mètres droit au-dessus. quand Bon, même. 50 mètres au-dessus, je suis assez. Assez Et là, enculé de dire Messi, ça, qui mais aurait pu putain, prendre fais une frappe chier. droite, l'occasion de passer de. Et C'est c'est la fini, mi-temps de ce retour au match score en cette fin de match. 0-0. Et oui, 0-0 à la 0-0. mi-temps, ça c'est bizarre. On a eu beaucoup Et d'occasions on dans va cette première s'écouter mi-temps. notre Malgré, surtout l'occasion qu'on va retenir, c'est le poteau de Un Markovic. pays a gagné Franchement, ses enjeux c'est contre assez ouf. l'Argentine. C'est assez ouf de ne pas en marquer dans ce match. Mais il nous reste la deuxième mi-temps, donc j'espère qu'on va vite marquer. Supplémentaire. Arrêt, la bonne passe. Il s'avance vers la surface. Oh, le grand Oh appel! putain, on a fait se Frappe prendre le magique des but. gardiens. Mais il tire à côté, tant mieux Et pour ce coup nous. complètement raté en fait. Oh Marvo, quel loupé. La grosse occasion pour Oh prendre non! le gardien qui sort le François à l'attaque. Allez, super, Efession. Le ballon dans l'axe, Non! Sissé. Ils Comment essaient de il prendre le match à fait? leur compte. Il va y aller. Oh, Non! petit raté. Non! Fallait Non, remettre. Madrid, t'es Pourtant, sérieux? ça Le défend gardien, bien le lui donne match. le ballon! Vous pouvez dire qu'un Le 0-0 gardien, lui donne le pour ballon! l'adversaire dans. Attends. Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. Avec un tir. Le tir. Putain, enfin l'ouverture du score à la Et cette fois, 89e! il est complètement vu. Eh Un joueur oui! Oh, argentin ça qui mérite un malheureusement dab, est sorti ça en mérite un pénalty dab! parce qu'il a Mais craqué putain, on a été complètement. la Il chercher cette reste victoire, on a été la très peu de chercher! temps à jouer maintenant. Putain, on fait encore un poteau, mais c'est ouf, c'est Et le but ouf! qui fait mal, qui fait très mal à l'adversaire. Prendre l'avantage comme ça dans Oh un là match aussi là! douloureux pour les Putain, j'ai même Argentins. cru qu'il allait tirer à côté, je crois que c'est Madrid! L'adversaire qui remonte Ouais, au jeu. Madrid qui se fait, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, hein. Oh là là! Yes, 1-0 pour nous. Oh putain. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa A zone fait du technique. bien Il est ce content but. Il d'être fait dans du ce bien du match. moins. Et si c'était. Ah, il va jeter pour le centre. Et c'est la fin de ce match Sissé sous a mis son pied pression. Mais droit on dans gagne et on l'axe. préserve ce score de 1-0. Ah, les joueurs C'est qui le se principal. C'est le principal, franchement. On a eu peur dans ce match-là. On a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de loupés. Mais ça fait plaisir d'avoir gagné 1-0 sur ce match-là. Yes. On continue notre folle avancée dans cette Ligue 2. On n'a pas encore perdu un seul match. Ça, c'est vraiment le truc de ouf qui est cool, quoi. On va tout simplement finir sur le classement de la Ligue 2. Donc, nous sommes premiers en 6 journées, 6 victoires, 15 buts, 2 buts encaissés. Oh là là, c'est trop fort. On a 2 points d'avance sur Nancy. Ah ouais, Nancy, ils ont 5 victoires et un nul. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Didi 59. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. C'était Didi 59.